M34. J'entends. J'entends des enfants rire. J'entends des enfants rire. J'entends les médias nous parler de leur avenir. Je prie pour leur futur sourire. Parce que ce que j'entends, nos anciens, nos parents l'ont déjà entendu à une époque où tout était moins superflu. Des politiciens, des grandes personnes avec de grandes études qui remplissent leurs poches avec nos thunes. Bon taf, mal fait, fait comme à l'arraché, puisque leurs idées ne sont jamais fondées. La crise est toujours là, on entasse la merde en bas de chez moi. Le chômage est à la hausse et tout le monde sait ça. Bush, toujours lui en poche, l'Amérique perd des proches. L'Irak n'est pas une mine d'or, c'est une terre avec des morts tombés sur une mine. Il faut pas être un oiseau de mauvais augure, mais ça sent le développement moins sûr. Franchement, nos idéaux ont bien changé, des valeurs amenées à la potence, la peine de mort est exigée. Dans un siècle, on ne parle qu'avec des billets. Corrompu et naïf, on refuse de reconnaître que l'on est en train de se faire couler. Corrompu et naïf, on refuse de reconnaître qu'on est en train de se faire couler. Les derniers pirates malins déguisés en pingouins tiennent les dernières richesses du trésor public. Pas besoin d'amorçage de bombes atomiques. Voir que tout va exploser dans très peu de temps. Triste, triste, tout va partir en fumée, même ma zik. Et moi avec la buse noire, on choisit par ruse de prendre le large. On partira pas seul, on apportera nos regrets, nos remords. Ainsi que nos amis qui nous soutiendront jusqu'à la mort. Parce que c'est tous les jours que l'on se recueille tout ce que le monde prend sur la gueule. Plus je pense à ce qui m'entoure, plus je me dis que c'est impossible que tout s'arrange. Oui, beaucoup de choses changent, en mal et personne ça ne dérange. On reste figé, on accepte le destin tragique que l'on sait nous-mêmes infliger. Inégalité, pauvreté, droit, bafoué, discriminalité, tant de mots finissant en « et ». Mes vers sont composés d'arguments, de jugements. Je ne suis pas mère justice, mais ma balance reste en équilibre. L'autodestruction n'est pas juste le programme d'une bombe chimique. Il est intégré dans l'humaniste. Programmé pour créer ce qui le détruira. Préparer la future guerre que l'on meurt pour que la paix sur terre revienne. L'argent nous mène par le petit doigt et depuis des temps très lointains, aussi lointains que je m'en souvienne. Y'a ceux qui connaissent l'histoire et ceux qui l'effacent pour des mensonges pour favoriser leur candidateur ou leur élection au trône. Éjection des droits humains, le peuple préfère la soumission à la rébellion. Les évasions se tournent toujours vers les plus faibles parce que l'homme est faible, préfère taper sa femme que le coupable de son malheur, distribué par pigeon voyageur, le facteur. La presse est trop lâche, elle ne souhaite pas attaquer celui qu'il considère comme supérieur. Préfère les faits divers extérieurs que les affaires intérieures. Parce que les hommes d'affaires sont des prêcheurs riches et sans cœur. Superviser le crime. La police contribue, ne cherche plus à travailler. Elle est complice, préfère bâcler les enquêtes pour mieux augmenter le salaire du flic. Robocop enferme des tombes d'innocents en prison et laisse en liberté des tonnes de meurtriers qui rigolent de leur côté parce que le pognon les a sauvés de la punition qu'ils méritaient. Ma confiance est damnée, l'État m'a trop souvent trompé. Il nous dit, vous aimez. Français, Françaises, nous connaissons les problèmes économiques, nous savons comment y remédier, vous verrez bientôt ça va changer. Travaillez plus pour gagner plus, mes chers concitoyens, je pense à vous. Ça, j'ai remarqué, quand j'ai reçu par courrier mon impôt sur le revenu, Picsou pense toujours au sous qu'il va gagner en récoltant les taxes du pays qu'il est en train de faire noyer. L'individualité est devenue monnaie courante et la solitude de plus en plus notre meilleure compagne. La campagne à moi est révolutionnaire, j'en ai marre de ce système qui est déjà tombé dans les mains des plus friqués. Il est temps d'y penser, de se relever, s'élever. Parce que pour l'instant j'entends les guerres des enfants, mais voir se venir leurs larmes dans un avenir présent. Il est temps d'y penser, de se relever, s'élever. Parce que pour l'instant j'entends les guerres des enfants, mais voir venir leurs larmes dans un avenir présent.